château de la Bretèche, qui date du XVe siècle, est une ancienne demeure des barons de la Roche-Bernard. C'est un domaine qui s'étendait de Missiague jusqu'à la Roche-Bernard, une dizaine de kilomètres. On retrouve bien entendu l'hôtel Relais-Château qui a été construit dans les anciennes dépendances du château. Notamment, on pourrait y retrouver le fameux bar des écuries. On a voulu garder cette atmosphère vraiment chaleureuse des écuries, avec notamment les abreuvoirs en marbre, les mangeoires, etc. pour vraiment donner une chaleur au domaine. Le domaine de la Bretèche, c'est environ 200 hectares entre golf, forêt et lac, le lac faisant lui-même 13 hectares, donc ce qui laisse un domaine quand même assez imposant, sachant qu'il jouxte une forêt qui fait, elle, 11 000 hectares. Donc vous imaginez, à l'époque, les barons de la Roche-Bernard avaient une propriété totalement immense qui allait depuis Missiague jusqu'à justement la Roche-Bernard. Nous avons des massages et des soins de tous les horizons, à savoir Chine, Inde, Malaisie, avec des points de tension très précis ou même des choses beaucoup plus relaxantes comme les soins visage. Le domaine de la Bretèche est situé sur un axe idyllique puisque nous nous trouvons à mi-chemin entre Vannes et Nantes, à seulement 35 minutes de La Bolle, et bien entendu au cœur du parc de la Brière, avec les marais salants, les balades en chaland, et bien entendu le fabuleux golfe du Morbihan.